Au Magnolia, comme dans beaucoup d'écoles de la ville de Bruxelles, les places sont chères. On est à peine le 6 janvier et la rentrée de première primaire 2014-2015 est déjà presque complète, malgré les deux classes supplémentaires modulaires créées il y a un an. Pour mon école, nous sommes à 80 inscriptions pour 96 places disponibles. C'était 77 clôturées au 31 décembre et là, le 6 janvier, il y a 3 inscriptions qui se sont faites aujourd'hui, donc on est à 80. Et l'école devrait être rapidement remplie. Les demandes sont centralisées au call center mis en place par la ville de Bruxelles pour traiter les inscriptions. C'est la deuxième phase de la procédure qui démarre ce 6 janvier. La première suivait l'ordre d'arrivée des élèves prioritaires. Cette fois, c'est l'ordre d'arrivée des appels qui compte. 300 coups de fil ont déjà été enregistrés depuis ce matin. Il y aura des gens qui ne trouveront pas de place. Il faudra aussi attendre que ça se décante parce que les gens qui sont en liste d'attente peuvent se placer parfois en liste d'attente sur différentes écoles. Et avec le changement et le jeu de domino que ça peut entraîner, ils se retrouvent parfois en ordre utile. Donc c'est une situation qui peut évoluer jusqu'à fin du mois facile et même dans les premiers jours de février en fonction des places vacantes à ce moment-là. Au Magnolia, en tout cas, la direction devrait être fixée vers la mi-janvier.